comment je vais te coder, nous dire qu'il nous peut mettre candidat dans tous les 20 circonscriptions de l'île. Et bien sûr, nous aussi expliquer que nos stratégies, c'est surtout en expliquant à la population que tout le monde est dans trois votes de ce l'armée. C'est qu'il réforme parti, mais demande tout mon votant, mon électeur. C'est que si vous décidez de nous un vote, c'est un vote pour sécurité, pour votre propre protection. Si vous faites de nous des votes, c'est des votes pour un changement dans nos pays. Et si vous donnez nous trois votes, c'est pour réformer nos pays. Et dans certaines circonscriptions dans lesquelles nous présentons nos trois candidats, et dans certaines circonscriptions que nous décidons pour mettre deux candidats, et aussi dans certaines circonscriptions que du monde indien nous donnerons parti un vote, alors là, nous mettons un candidat. Et en total, on présente 37 candidats pour les prochaines élections générales. Alors pour la circonscription numéro 1, Grande Rivière Nord-Ouest pour l'Ouest, nous avons Levi Frivette, Levi, journaliste, étudiant en droit. Deuxième, nous avons Clive Wong, qui est un professionnel dans Real Estate 3D Architectural Design. Nous avons Sheldon Samu, qui a un degré en Banking et Finance. Circonscription numéro 2, pour lui South, pour lui Central, Aslam Ibrahim Mohamed Maktoum, directeur d'entreprise. Et après, nous avons Ismaël Nazir, civil engineer. Et avec lui, Siddiq Bai Modabax, entrepreneur. Alors, dans la circonscription numéro 3, pour lui maritime, pour lui est, Nusrat Kodirali, juriste, avec une autre madame, Jabin Bibino Dali Douman, aussi entrepreneur. Pour la circonscription numéro 4, pour lui nord, Montaïlong, nous prenons un candidat, Naoussad Mohamed Damari, qui est un administrateur en Haïti. Numéro 5, Pamplemousse Triolet, Eric Grandport, BSC Finance, avec Sharma Bandou, avocat. Numéro 6, Gambé Poudredo, Daniel Selvon, Daniel, avocat. Alors, ensemble avec Daniel dans la circonscription numéro 6, Anan Roktoa, ancien parlementaire aussi. La circonscription numéro 7, Piton-Rivière-du-Rempart, Ashwan Ramdeyal, qui a un diplôme en Mechanical Engineering, avec un avocat, Prakash Birou. La circonscription numéro 8, M. Dave Rakatu, comptable, et M. Gunsham Sikantu, qui tient Senior Station Officer dans Mauritius Fire and Rescue Services. Numéro 9, Flak Bonaccueil, Priyam Gupta Bikari, qui est lié dans ce business. Numéro 10, Montagne Blanche, Grande Rivière Sud-Est, Sonali Bajan, qui est directeur d'entreprise. Numéro 11, Vieux Grand Port Rosebel, Kanish Mumbud, détenteur d'un MBA. Dans la circonscription numéro 12, Oshani Mahadou, journaliste, présentatrice télé. Numéro 13, Rivière des Anguilles Suyak, Nishtha Bola, qui est détenteur d'un LLB Honneurs en Angleterre. Avec Nishtha Bola, prenons aussi Dixit Potana, qui est entrepreneur en Events Management. Numéro 14, Savan Rivière-Noire, Nikhilesh Sahai, Mechanical Engineer, avec Rajen Kandasamy, qui est designer. La circonscription numéro 15 sera Yashni Ramlochan, qui est détenteur d'un billet Joint Honours Humanities. La circonscription numéro 16, Vakwa Floréal, Mohamed Fardin Ibrahim Saïb, qui a un BSc en marketing, de Emma Soju, qui travaille dans la comptabilité. La circonscription numéro 17, Kirpip Midland, Ralph Marie Pierre Jason Césarine. La circonscription numéro 18, Belle Rose Quatrebonne, Ubindro Gauze, bachelor en Software Engineering, avec Smita Disha Papigadou. La circonscription numéro 19, Stanley Rosil. Alors, premièrement, nous avons Amiran Manon Oklou. Nous avons Ama Ersapa, qui a un MBA en marketing, l'Université de Leicester en Angleterre. Nous avons aussi Pritam Siouchen. La circonscription numéro 20. Alors, bien sûr, avec moi, nous avons mon décolissier, Jean-Daniel Emilien, et aussi mi 20e 24e.